Namasté les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Proactive Bliss Yoga. Aujourd'hui, on a un cours de yoga intermédiaire de 1 heure. C'est un cours de vinyasa au yin yoga, un peu comme du yang au yin. C'est-à-dire que la première partie va être un cours de vinyasa dynamique où on va bouger en synchronisation avec la respiration. Puis, la deuxième partie va être une séance du yin yoga où on va tenir les étirements, les postures pour 2 à 3 minutes à la fois. Donc, vous n'avez pas besoin du support pour aujourd'hui. Et quand vous êtes prêts, c'est parti. OK, on va commencer allongé sur le dos en demi-shavasana. Donc, en ce soir, on place les pieds à la largeur des hanches et allongez-vous sur le dos. Gardez les genoux pliés pour l'instant. Roulez les omoplates en arrière. Relâchez les épaules loin des oreilles. Et là, c'est les genoux de tomber vers le centre. Gardez. Placez une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Prenez quelques instants ici pour reconnecter à votre souffle. Relâchez les traits du visage. Relâchez la mâchoire. Prenez les longues inspirations et les longues expirations. Éloignez-vous de ce mental, cet esprit occupé avec les pensées de ce que vous avez fait tout à l'heure, de ce que vous devez faire plus tard. Là, c'est ces pensées hors de votre tapis. Et connectez-vous à votre respiration. Observez les espaces dans votre corps où vous pouvez envoyer votre souffle. La prochaine inspiration, envoyez votre souffle à la poitrine. Là, c'est le gonfler, remplissez cet espace dans votre cœur. Expire lentement. Prochaine inspiration, envoyez votre souffle à votre ventre. Expire lentement. Tous ensemble, inspirez par le ventre et la poitrine. Remplissez les poumons. Expire lentement. Magnifique. Vous pouvez ouvrir les yeux et allonger la jambe droite vers le ciel, fléchissez les chevilles et crochetez vos doigts derrière la cuisse. Prochaine inspiration, pointez les pieds et pliez le genou. Expire, fléchissez les chevilles, poussez les talons vers le ciel et rapprochez les cuisses au ventre. Inspire pour pointer et pliez le genou. Expire pour tendre les jambes, rapprochez les cuisses. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire et tenez ici. Continuez de pousser les talons vers le ciel, créez cette longueur dans l'arrière de la jambe. Expire, croisez les chevilles en haut de le genou gauche pour une variation du pigeon. Poussez les cuisses droites loin de vous pour créer cet espace et cet étirement dans l'hanche droite.
Vous pouvez rester ici ou soulever la jambe gauche, crocheter le doigt derrière la cuisse. Et continuez de pousser cette cuisse droite loin de vous. Fléchissez les chevilles. Vous pouvez rouler les chevilles gauche quelquefois. Clic, clic, clic. Et dans l'autre sens. Bien. OK, dernier grand étirement. Inspire. Expire, relâchez. On va passer de l'autre côté. Allongez les jambes gauche vers le ciel. Fléchissez les chevilles. Crochez les doigts derrière les cuisses. Inspire, pointez les orteils. Pliez les genoux. Expire, fléchissez les chevilles. Allongez les jambes. Rapprochez les cuisses au ventre. Inspire pour plier. Expire pour tendre les jambes. Encore deux fois. Cette fois, tenez cette posture, Supta Panugushtasana, la jambe allongée. Continuez de pousser le bas du dos au sol, créez la longueur dans nos colonnes vertébrales. Inspire, expire, croisez les chevilles en haut de les genoux droits, variation de pigeon, poussez les jambes gauche loin de vous. Il y a une option pour soulever les jambes droites, crochetez les mains derrière les cuisses, fléchissez les chevilles. Et vous pouvez rouler les chevilles droites. Et dans l'autre sens. OK, dernier grand étirement. Inspire. Expire, relâchez. Pliez vos genoux avec les bras. On fait un grand câlin. Rapprochez le front aux genoux. Et placez vos mains sous vos cuisses. On va rouler sur le colonne vertébrale quelques fois ici pour venir sur les fessiers, arrondissez bien le dos pour rouler sur chaque vertèbre. Puis on va plier le genou gauche, allonger la jambe droite, rouler en arrière et venez sur le pied gauche, peut-être soulever l'hanche droite. Vous pouvez toujours toucher le sol avec les mains. On va faire ça encore une fois, rouler en arrière. Et venez sur le plan du pied gauche, soulevez les jambes droites peut-être, on crée un équilibre. Excellent, et on va faire le côté opposé, pliez le genou droit, allongez les jambes gauche, roulez en arrière. Et venez sur le plan du pied droite, soulevez l'ange gauche. On va faire ça encore une fois. Essayez de pas toucher le sol avec les mains si tu peux. Excellente. OK, roulez en arrière. Puis croisez vos tibias, venez en quatre pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va réchauffer, renforcer les poignets. Donc on va basculer devant et en arrière. Et appuyez bien dans les articulations de vos mains et aussi les bouts des doigts. OK, retournez vos mains, les doigts face à vous. Et cette fois, on va basculer en arrière pour étirer les muscles dans les avant-bras. Essayez de garder les paumes de main au sol. OK, tournez vos mains, les doigts face à le côté long du tapis. Et on va basculer de droite à gauche. Donc là, on transfère le poids du corps partout, dans les poignets, les mains. Excellent. Retournez au centre.
Et on va faire quelques chaillevages pour mobiliser le colonne vertébrale. Donc, sur la prochaine inspiration, crevez le dos, ouvrez la poitrine. Expire pour arrondir le dos, ramenez le menton à la poitrine. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Encore deux cycles comme ça, votre rythme. Écoutez votre souffle. On retourne en neutre. Soulevez la jambe gauche, pointez les orteils et on va créer des cercles avec le genou. Gardez la poitrine parallèle au sol, le poids du corps égal dans les deux poignets. Et on va dans l'autre sens. Ok, fléchissez la cheville et soulevez les jambes. Regardez que votre genou est aligné à vos hanches et que vos hanches soient parallèles au sol. Et on va pomper les talons vers le ciel pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Activez bien vos fessiers et les cuisses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, magnifique, tendez les jambes, placez les orteils au sol et basculez devant en arrière pour étirer le mollet. Très bien, envoyez votre pied entre vos mains, Anjaneyasana, et glissez le genou droit en arrière, gardez les chevilles fléchissées pour l'instant et laissez descendre les hanches vers le bas et vers l'avant. Créez cet espace dans l'hanche droite. Prochaine inspiration. Lèvez vos bras vers le ciel. Énergétiquement, tirez le genou gauche en arrière et le genou droit vers l'avant. Prochaine inspiration, soulevez le genou droit. Fente haute. Inspire. Expire, plie le genou droit, baissez-le vers le sol, mais touchez pas. Inspire, soulevez. Expire, baissez le genou, mais touchez pas le sol. Inspire, soulevez, dernière fois. Expire, baissez les genoux, tenez en bas. Serrez les cuisses vers le centre, l'une vers l'autre. Engagez les fessiers, rentrez le nombril. Inspire. Expire, placez les genoux au sol et placez vos mains au sol, relâchez les chevilles. Inspire, laissez fendre les hanches vers l'avant. Expire, Adho Mukha, tendez les jambes gauches, fléchissez les chevilles. Inspire, retournez Anjaneyasana, fléchissez les chevilles droites, soulevez le genou. On se retrouve Chien Tête en bas, Adho Mukha Svanasana, le pied gauche au côté du pied droit. Et faites ce que vous faites bien ici, si vous voulez pédaler vos pieds, pliez les genoux alternativement. Relâchez la tête. Créez la longueur dans nos colonnes vertébrales et dans les jambes. Inspire. Expire, venez placer le genou au sol. On se retrouve en quatre pattes. Et soulevez les jambes droites cette fois. Pointez les orteils.
Et crée le cercle avec le genou pour réchauffer l'articulation de l'hanche droite. Appuyez dans vos articulations et vos boudées droits. On va dans l'autre sens. OK. Soulevez les jambes. Regardez que le genou soit aligné à votre hanche. Fléchissez les chevilles. Et on va pomper les jambes pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9. Continuez à rentrer le nombril. Poussez les talons vers le ciel. Serrez les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, magnifique. Tendez les jambes, placez les orteils au sol et basculez devant en arrière. On réchauffe le facial, ce qui est autour de nos muscles dans les jambes. Et envoyez votre pied entre les mains pour Anjaneyasana. Glissez le genou gauche en arrière. Gardez les chevilles fléchies pour maintenant. Et lassez descendre les hanches vers l'avant. Roulez les omoplates en arrière. Regardez vers l'avant. Prenez deux respirations. Prochaine inspiration. Lavez les jambes, lavez les bras vers le ciel. Ça sera un peu compliqué. Et encore une fois, tirez le genou droit en arrière, genou gauche vers l'avant. Prochaine inspiration, soulevez le genou gauche, fente haute. Inspire. Expire, baissez le genou gauche vers le sol, touchez pas. Inspire, soulevez. Expire pour baisser. Restez jusqu'à la fin d'expiration. Inspire, soulevez. Expire, baissez et tenez ici. Serrez vos cuisses. Relâchez vos épaules au loin de vos oreilles. Et écartez vos doigts. Tout le corps travaille ici. Inspire. Expire, placez le genou au sol et placez les mains au sol. Anjaneyasana. Inspire. Expire, Ardha Namasana. Tendez les jambes droites, fléchissez les chevilles. Inspire, pliez le genou pour Anjaneyasana. Fléchissez les chevilles gauche, soulevez le genou. On se retrouve, chien tête en bas. OK, on va commencer de créer le feu à l'intérieur de soi. Donc, prochaine inspiration, roulez la colonne vertébrale pour venir en planche, les épaules en haut des poignets. Placez les genoux au sol, on va faire un chaturanga push-up. Inspire. Expire, plie le coude bien près du corps. Incline le buste vers le sol, on s'arrête au milieu. Inspire, poussez dans vos mains, redressez-vous. Soulevez les genoux. Pivotez sur le côté droit, on est sur le bord externe de pied droit, interne de pied gauche. Et pliez les genoux, baissez les hanches vers les talons. Inspire, retournez en planche au centre. Expire, pivotez sur le côté gauche, externe de pied gauche, interne de pied droit. Pliez les genoux, baissez les hanches vers les talons. Inspire, retournez au centre. Placez les genoux au sol, chaturanga push-up. Expire, plie le coude, on s'arrête au milieu. Inspire, poussez, redressez-vous. Soulevez les genoux, tournez sur le côté droit, planche sur le côté. Vous avez l'option d'allonger le bras gauche au-dessus. Pliez les genoux. Inspire, retournez au centre, placez les mains au sol. Expire, pivotez sur le côté gauche. Peut-être allonger le bras droit au-dessus.
Plie les genoux et envoie les hanches vers les talons. Inspire, tourne en planche au centre et chaturanga push-up peut-être avec les genoux soulevés. Ligne droite avec le corps. Redressez-vous. Et placez les genoux au sol. Envoyez les hanches à vos talons. Balasana, porte l'enfant. Inspire. Envoyez la poitrine entre les mains. Et glissez le haut du corps pour venir en demi-cobra. Expire. Fléchissez les chevilles. Soulevez le boost. On se retrouve chien tête en bas. Excellente. Inspire, roulez le colonne pour venir en planche. On va faire encore une fois un vinyasa. Votre choix. Venez dans votre back bend, soit le demi-cobra, soit chien tête en haut. Soulevez les cuisses et la poitrine. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et tous ensemble, placez les genoux au sol, baissez les hanches, poste de l'enfant, Balasana. On va prendre trois respirations ici. Pendant notre pratique, si vous voulez prendre un moment pour recharger et reconnecter votre souffle, vous pouvez venir ici dans votre balasana. Et vous pouvez toujours mettre cette vidéo en pause pour rester ici encore plus longtemps. C'est votre pratique, écoutez votre corps. Prochaine inspiration. Fléchissez les chevilles, soulevez les hanches, chien tête en bas. Inspire, lèvez les jambes droites, chien à trois pattes. Expire, rapprochez le genou sur le front. On est en planche. Inspire, lèvez les jambes, chien à trois pattes. Expire, venez placer les pieds entre les mains. Pivotez sur le pied gauche pour venir en guerrier 2, Virabhadrasana. Soulevez le haut du corps. Pliez bien dans votre genou droit. Inspire, guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. Le bras droit au-dessus. Inspire. Expire, l'angle latéral, placez le bras droit sur la cuisse droite, allongez le bras gauche en haut. Inspire. Expire, retournez, Viparita Virabhadrasana, vous avez l'option de soulever le talon droit, on est sur le point du pied droit. Une respiration ici. Placez le talon au sol et venez dans votre angle latéral. Soit restez ici, soit allongez le bras droit vers le ciel. Écartez vos doigts. Roulez les omoplates en arrière. Prochaine inspiration. Retournez guerrier 2. Et tendez la jambe droite. Ouh! Pivotez les pieds pour que les orteils soient orientés vers le coin du tapis. Et pliez vos genoux. Ouvrez les bras 90 degrés. Cactus pour la déesse. Et on va faire la pompe pour 1, 2, 3. Roulez les omoplates en arrière. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7. Engagez les fessiers, engagez les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Allongez les jambes. Pivotez le pied gauche, le bord du pied parallèle à l'arrière du tapis.
les orteils droits vers l'avant du tapis. Allongez vos bras. Inspire, envoie le haut du corps vers l'avant. Expire, Trikonasana, le dos de main droite contre le cuisse de jambe droite. Allongez le bras gauche vers le ciel. On est dans notre triangle. Envoyez votre souffle à votre côté gauche du corps. Une respiration. Restez jusqu'à la fin d'expiration. Puis inspire, redressez-vous. Pliez le genou droit, on se retrouve en Anjaneyasana, placez les mains au sol. Relâchez les genoux, relâchez les chevilles. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, Ardha Hanumanasana, tendez les jambes droites, les hanches parallèles à l'avant du tapis. Inspire. Expire, lassez descendre le buste vers la terre. Inspire, redressez-vous. Expire, placez les mains à l'extérieur de la jambe droite. Inspire. Expire, lassez descendre le buste vers la terre. Inspire, redressez-vous. Et placez vos mains autour de votre jambe droite. Et envoyez vos hanches à l'arrêt du tapis. Relâchez la cheville gauche. Et placez le talon gauche au côté de votre hanche droite. Et le pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Donc on est dans notre twist. Avec le bras gauche, on fait un grand câlin avec la cuisse droite. Allongez le dos. Sentez cet étirement de la jambe droite sur ses hanches. Et allongez vos bras, les paumes de main face au sol. On va incliner le buste un peu en arrière. Gardez le colon bien droit et rentrez le nombril. On va faire travailler les fléchisseurs des hanches. On va pointer les pieds à droit et toucher la main gauche avec les pieds, puis placer les pieds au sol. Donc, c'est juste la jambe qui bouge, rien d'autre dans le corps bouge. Touchez les mains, placez les pieds au sol. Encore quelques fois comme ça. Gardez le dos bien droit. Si vous commencez à arrondir le dos, ça c'est un signe de retourner vers l'avant et redresser le dos. Dernière fois. Bien, placez les pieds droits sous la main droite et on va faire la même chose. Touchez la main droite. Si vous ne touchez pas, ce n'est pas grave. C'est l'effort qu'on fait ici pour vraiment travailler cette fléchisseur de hanche et aussi le cuisse. Ok, dernière fois. Magnifique. Placez le pied à l'extérieur de la cuisse gauche, encore une fois. Et on va venir debout, puis retourner ici. Et on va essayer de ne pas toucher le sol. Donc moi, personnellement, je préfère de crocheter mes doigts. Donc on va soulever les hanches, venez sur le genou gauche. On est dans un squat un peu gênant. Puis on va pousser dans le pied droit et le haut du pied gauche pour soulever les hanches, rapprocher le genou gauche à la poitrine. Ok. On va retourner au sol dans la même façon, dans la même manière. Donc, croisez le genou gauche derrière le genou droit. Placez le haut du pied gauche au sol. Puis, venez placer le genou gauche au sol. Et c'est la partie la plus difficile. Baissez les hanches, lente et contrôlée. Voilà, on va faire ça encore deux fois. Soulevez les hanches. On est sur le genou gauche. Poussez dans vos pieds. Rapprochez le genou gauche.
Expire, croisez le genou derrière le genou droit. Le haut de pied gauche au sol. Placez le genou gauche. Tout doucement, les hanches au sol. Donc, on ne veut pas simplement tomber en sol. C'est très lent et contrôlé. OK, dernière fois, à votre rythme. Vous allez arriver. OK, très bien. On va allonger la jambe droite pour Janushirshasana. Donc, le genou gauche est toujours plié, le talon près de l'âne. Et on va placer la main droite sur la jambe droite. Inspire, allongez le bras gauche en haut. Expire, placez la main gauche derrière vous. Faites un grand cercle avec le bras droit. Soulevez les hanches, placez le plante du pied droit au sol. Demi wild thing. Expire, placez les hanches au sol. Main droite sur la jambe droite. Allongez le bras gauche en haut. Expire, demi wild thing. Soulevez les hanches, ouvrez la poitrine et les épaules. Expire, asseyez-vous. Janushirshasana. Dernière fois. Inspire, étirez les hanches, le ventre, la poitrine. Expire, Janushirshasana. Et redressez-vous, retournez au centre. On va venir vers l'avant du tapis avec beaucoup de grâce. On va plier le genou gauche. Venez en Anjaneyasana, le genou droit plié, les pieds à gauche à l'arrêt du tapis. Gardez le genou gauche soulevé et placez vos mains vers l'avant du tapis. On va lever les jambes gauche. Et à la prochaine expiration, on va croiser le genou gauche derrière le genou droit. Pliez les genoux pour le squat du Shiva. Inspire, allongez la jambe gauche derrière vous. Essayez de décoller vos mains pour venir en guerrier toi, Virabhadrasana. Placez les mains devant le cœur, les hanches carrées. Excellente. Placez les mains au sol, on va faire notre squat du Shiva. Croisez le genou gauche derrière le genou droit, pliez les genoux. Inspire, allongez la jambe gauche derrière vous et venez encore une fois, guerrier 3, soulevez les mains. Magnifique, placez la main gauche au sol et allongez le bras droit vers le ciel pour notre guerrière retournée. Les hanches parallèles au sol. Tirez la main droite vers le ciel. Et placez la main droite au sol. On va faire encore une fois un squat de Shiva. Vous avez l'option de décoller vos mains. Placez-les devant votre cœur et croisez vos genoux. Inspire, guerrier toi. Et venez placer vos mains au sol. Relâchez le pied gauche au sol. Et vous avez l'option soit venez directement dans votre chien tatamba, soit faites votre vinyasa. C'est votre corps, votre choix et votre corps. Écoutez à votre corps. Prenez trois grandes respirations de votre chien, tête en bas. Soyez conscient de votre souffle. Et soyez conscient des espaces dans votre corps. Envoyez votre souffle où vous gardez la tension. OK, on va passer de l'autre côté. Prochaine inspiration, lèvez les jambes gauche, chien à trois pattes. Expire, rapprochez le genou gauche au front. On est en planche.
Inspire, chien à trois pattes. Expire, placez les pieds entre les mains. Pivotez sur les pieds droits pour venir en guerrier 2, Virabhadrasana. Redressez le haut du corps. Ancrez bien vos pieds au sol. Ayez confiance en vos capacités. Inspire, guerrier inversé, Viparita Virabhadrasana. Allongez le bras gauche en haut. Expire, l'angle latéral, bras gauche sur la cuisse. Allongez le bras droit en haut. Expire, guerrier inversé. Vous avez l'option de soulever le talon gauche cette fois. Plie encore plus dans le genou gauche. Inspire. Expire, l'angle latéral. Placez le bras gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel. Vous avez l'option de soit rester ici, soit allonger le bras gauche vers le ciel. Écartez vos droits. Roulez les omoplates en arrière. Engagez vos fessiers. Poussez dans vos pieds. Expire, retournez guerrier 2. Tendez le jambe gauche. Tournez vos pieds pour la dièse. Donc, les orteils vers le coin du tapis. Ouvrez les bras en cactus 90 degrés. Pliez vos genoux. Et on va faire la pompe pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8. Serrez vos cuisses, serrez vos fessiers. 4, 3, 2, 1. Tendez les jambes. Tournez les pieds droits, le bord des pieds parallèle à l'air du tapis. Les pieds gauches orientés vers l'avant du tapis. Allongez vos bras. Inspire le haut du corps vers l'avant. Expire le triangle trikonasana, le dos de main gauche contre le cuisse, contre le jambe gauche. Allongez le bras droit vers le ciel. Trois respirations ici. Envoyez votre souffle sur votre côté droit du corps. Prochaine inspiration, redressez-vous. Expire, placez les mains au sol, autour de le pied gauche. Et relâchez le genou droit au sol, relâchez les chevilles. Inspire, roulez les omoplates en arrière, regardez vers l'avant. Expire, tendez les jambes, Ardha Namasana. Inspire, allongez le dos. Expire, relâchez complètement. Inspire, redressez-vous. Placez vos mains à l'extérieur de votre jambe gauche. Inspire. Expire, relâchez. Inspire, redressez-vous. Placez vos mains autour du pied gauche et envoyez vos hanches à l'arrière du tapis. Relâchez la cheville droite et cette fois, placez le talon droit au côté de l'hanche gauche, le pied gauche au côté ou à l'extérieur de la cuisse droite. On est dans notre twist assis. Avec le bras droit, on fait un grand câlin avec cette jambe gauche. Rapprochez le cuisse au ventre, allongez le dos. Observez les sensations de votre jambe et votre hanche. Ok. Allongez vos bras, les paumes face au sol. Encore une fois, allongez le dos, inclinez le buste un peu en arrière. Rentrez le nombril, pointez les pieds gauche et on va toucher la main droite avec les pieds.
N'hésitez pas à bouger le haut du corps. Retournez les pieds au sol. Touchez les mains. Retournez au sol. Encore quelques fois comme ça. Chaque fois que vous soulevez cette jambe, activez bien le cuisse, le fléchisseur sur les hanches, mais aussi engagez les abdos pour garder les lignes droites dans nos colonnes vertébrales. Ok, placez le pied sous la main gauche et encore une fois, touchez la main et retournez au sol. Donc, on cible le fléchisseur des hanches. C'est excellent pour améliorer la mobilité dans les hanches en général, mais aussi pour prévenir les blessures au niveau des genoux et du bas du dos. Ok, retournez les pieds aux côtés de la cuisse droite. Et on va venir debout, puis revenir assise. Et on va essayer de ne pas toucher le sol. Donc, vous pouvez toujours crocheter vos doigts. Inspire, soulevez les hanches. Venez sur le genou droit. On est dans notre squat bizarre. Puis, poussez dans le pied gauche, le haut du pied droit. Soulevez les hanches. Rapprochez le genou droit à la poitrine. Puis, croisez le genou derrière le genou gauche. Le haut du pied droit au sol. Placez le genou droit au sol. Squat gênant. Et doucement, placez les hanches au sol. Lente et contrôlée. Ok, encore deux fois à votre rythme. Soulevez les hanches. Rapprochez le genou droit. Croisez le genou derrière le genou gauche. Essayez de ralentir les mouvements. Dernière fois. Ayez confiance. Ouh. Ok, très bien. On va allonger la jambe gauche. Et on vient en Janushirshasana avec le genou droit au sol, le talon droit aussi près de l'aine. Placez la main gauche sur la jambe gauche. Inspire, allongez le bras droit en haut. Expire, placez la main droite derrière vous. Grand cercle avec le bras gauche, soulevez les hanches, demi-wild thing. Expire, baisse les hanches, Janushirshasana. Inspire, expire, demi-wild thing. Janushirshasana, dernier cycle. Créez l'espace dans vos hanches, dans votre poitrine. Janushirshasana. Et redressez le haut du corps. Tournez-vous vers l'avant. Et on revient en Anjaneyasana. Pliez le genou gauche. Placez le pied droit à l'arrêt du tapis. Soulevez le genou droit. Puis placez les mains vers l'avant du tapis. Lèvez les jambes droites. Croisez le genou droit derrière le genou gauche. Pliez les deux genoux, notre squat du Shiva. Inspire, tendez les jambes. Puis, amenez les mains devant le cœur. Guerrier 3. La poitrine et les hanches soient parallèles au sol. Et placez les mains au sol, squat du Shiva. Croisez les genoux. Inspire, allongez les jambes derrière vous. Amenez les mains devant le cœur, guerrier 3. Pointez les pieds droits, ligne droite ici. Puis, placez les mains droites au sol, allongez le bras gauche vers le ciel, guerrier retourné. Essayez d'aligner vos épaules.
Soulevez les jambes droites un peu plus. Et placez les mains gauche au sol. Dernier squat du Shiva, vous pouvez toujours soulever les mains. Guerrier 3. Et placez vos mains au sol. Placez les orteils droits au sol. Soit venez directement dans votre chien tête en bas, soit faites votre dernière vinyasa. On se retrouve. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête. Prenez une grande inspiration par le nez. Expire, bouche ouverte, lâchez prise. Encore une fois, inspire. Expire. Placez les genoux au sol. Soit les genoux à la largeur des hanches, soit les genoux à la largeur du tapis. Balasana. Laissez fondre votre cœur au sol. Reconnectez à votre souffle. Et essayez de ralentir la respiration. On commence notre transition à le côté yin. Donc, voyez, vous gardez la tension dans votre corps. Et mentalement, essayez de relâcher cette tension. Relâchez la mâchoire. Relâchez les épaules. Chaque inspiration, crée l'espace dans votre cage thoracique, élargissez le dos. Et chaque expiration, laissez fondre votre cœur plus près de la terre. Dernière respiration. Restez jusqu'à la fin d'expiration. Et doucement, redressez-vous. On va venir dans notre première posture du yin, la chenille ou Paschimottanasana en yin. Donc, on vient assis, allonger les jambes devant soi, légèrement. On va fléchir les chevilles et reculer la chair. Vous pouvez toujours mettre une couverture ou une brique sous les hanches pour les soulever. Ça va nous aider de trouver de longueur dans nos colonnes vertébrales. Et ça va aussi nous aider pour pour plonger en avant. Donc, placez les bouts du doigt aux côtés de vos jambes. Prenez une longue inspiration, allongez le dos. Expire, amenez les mains vers l'avant, mais gardez cette ligne droite avec le corps. Déjà, sentez cet étirement dans l'arrière des jambes. Inspire. Expire, relâchez complètement. Relâchez la tête et explorez et trouvez cette limite douce. Vous cherchez une sensation, mais on ne veut pas trop forcer cet étirement. Le point en yin, c'est de relâcher la tension et de ne pas créer encore plus de tension. Parce qu'on a trop forcé. Ramenez l'attention à votre souffle. Et
observez cette ligne de vos talons, cet étirement qui traverse l'arrière des jambes, le bas du dos, la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Là, c'est votre souffle de suivre cette ligne pour créer l'espace et relâcher la tension. On est ici pour encore 2 minutes. Prenez une longue inspiration. Suivez cette ligne d'étirement dans votre corps. Et une longue expiration. Relâchez un peu plus. Doucement, redressez-vous. Vous pouvez peut-être tapoter vos jambes, relâcher la tension, roulez les chevilles, faites ce que tu fais bien. Ok. Et on va ouvrir les jambes pour venir en la posture de la libellule. Donc, écartez vos pieds. Essayez de soulever les hanches pour incliner le bassin vers l'avant. Donc, encore une fois, cette curvature, un oreiller ou des briques peut nous aider de soulever les hanches et trouver cette inclinaison vers l'avant. Légèrement fléchissez les chevilles, les grosses orteils orientés vers le ciel et placez les mains devant soi. Fermez vos yeux. Soyez intentionnel avec votre souffle. Envoyez-le à vos hanches et l'intérieur de vos cuisses. Relâchez vos épaules. Relâchez les traits du visage. Doucement, et après quelques cycles de respiration, vous pouvez toujours amener les mains plus vers l'avant pour incliner le buste vers la terre. Puis encore une fois, trouver l'immobilité.
On est ici pour 3 minutes. Ne forcez pas. Ne jugez pas. Remplissez votre cœur avec la compassion et la patience. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Doucement, redressez-vous, prenez votre temps. Et vous pouvez attraper vos cuisses, plier les genoux, placer les talons devant soi. Et laissez les genoux de tomber sur chaque côté pour relâcher la tension dans les hanches et le bas du dos. La meilleure partie va arriver. Allongez-vous sur le dos. On vient assis. Relâchez le colonne vertébrale sur le tapis. Peut-être prenez un instant ici avant d'allonger les jambes pour rapprocher vos genoux. Prenez un instant pour décompresser le bas du dos. Puis allongez vos jambes. Et on va venir dans notre posture de la banane. Donc, envoyez vos pieds vers le côté gauche du tapis, puis allongez vos bras vers le haut et envoyez votre haut de corps vers le gauche. On crée cette forme d'une banane ou un C. Vous pouvez attraper le poignet droit avec la main gauche.
Et vous avez l'option de croiser la cheville droite en haut de la cheville gauche. Gardez les hanches collées au sol. Et continuez de bouger ou explorer jusqu'à ce que vous avez cette sensation sur tout le côté droit du corps. Puis fermez vos yeux. Relâchez les omoplates au sol. Ancrez vos hanches au sol. Chaque inspiration, élargissez la cage thoracique. Et à chaque expiration, imaginez que vous pouvez enlever, sortir cette tension dans le corps. On est ici pour encore 10 respirations. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Décroisez vos chevilles, amenez les pieds au centre, puis le haut du corps. Relâchez les poignets. Et envoyez vos pieds à le côté droit du tapis. Puis, envoyez le haut du corps vers le côté droit. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Et encore une fois, vous avez l'option de croiser les chevilles gauches ou les chevilles droites. Observez les similarités ou les différences entre le côté gauche et le côté droit du corps. Fermez vos yeux. Et relâchez complètement. Prenez une longue inspiration. Et une longue expiration. Allongez vos pieds au centre et le haut du corps au centre. Et on vient dans notre dernière posture pour notre séance Shavasana.
Ouvrez les pieds, allongez les bras le long du corps, les paumes face au ciel. Roulez les omoplates en arrière, relâchez les épaules. Lâchez le corps de relaxer et décompresser. Il y a toujours la temptation, pendant Shavasana, d'arrêter la pratique, cette résistance de l'immobilité. Et ça peut être un signe de vraiment respirer dedans, respirer dans cet espace. Parce que c'est dans l'immobilité qu'on trouve la clarté et la croissance. Donc, lâchez votre corps de recharger, de reconnecter. Votre corps le mérite, votre mental le mérite, vous le méritez. Laissez votre corps de fondre dans la terre. Tout le corps est détendu. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Inspirez par la poitrine. Laissez-le gonfler. Expire lentement. Inspirez par le ventre.
Expire tout. Tous ensemble, inspire par la poitrine et le ventre. Remplissez les poumons. Expire, bouche ouverte. Bougez vos orteils, vos doigts. Même crochetez vos doigts, étirez-vous. Et rapprochez vos genoux. Laissez vos jambes tomber sur un côté, les yeux encore fermés. Et lentement, on se retrouve assis en tailleur. Relâchez vos épaules loin de vos oreilles. Observez cette sensation du calme dans votre corps. Et aussi cette sensation d'une connexion et de clarté. Amenez la main devant votre cœur et inclinez la tête vers la terre pour son oreille, honorer sa pratique. Namasté. Merci les yogis pour votre présence. Si vous avez aimé cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et abonnez-vous. On se voit dans la prochaine vidéo.